c'était très bien et très, très simple. Un bon feeling entre nous, à partir du moment où on est rentré en studio et qu'on a commencé à bosser. Ça a été vraiment fluide, quoi. Chacun est venu avec ses idées, chacun a apporté sa vibe, si je puis dire. Donc ça s'est passé assez bien et assez simplement. C'est à la rencontre des univers de tout le monde, donc la reprise, c'était intéressant d'essayer de trouver un morceau qui, dans le son, était très, au départ très daté, qui en fait s'avère être jouable de plusieurs façons possibles, et chantable de plusieurs façons possibles, donc c'était marrant d'en faire notre version à lui. Et puis l'autre, il s'est vraiment né d'un bœuf dans le studio, tous ensemble, mais de se mettre à l'aise avec une reprise, c'est pas mal. Chanteur, performeur des années 30-40, plus 30-40, pas 20, américain, qui a inspiré, je sais pas, un nombre incommensurable d'artistes depuis, au niveau de son style vestimentaire, au niveau du chant, il se captait beaucoup, il faisait des claquettes comme personne, c'est vraiment le performeur à l'américaine, quoi. La chanson Lavabo d'Alain Bachung, que j'adore, qui n'a pas été reprise à ma connaissance. Ce que je trouve intéressant, c'était, comme à la base, c'est une chanson très new wave, un son assez froid, des boîtes à rythme, des synthés, la transposer avec justement des guitares électriques assez chaudes, des cuivres, côté un peu 60s, comme ça, je trouvais ça marrant de la transposer dans ce style-là.